Ma chérie, on ne peut pas te voir en train de faire des vidéos dans ce type de quartier-là. Puis après, on te voit faire une vidéo dans ce type de chambre-là. Et puis tu vas nous dire que c'est ta chambre. Personnellement, je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas. Et puis je ne parle pas forcément de toi parce que je ne connais pas ta situation. Mais à travers toi, là, il va tirer à balles réelles sur d'autres filles. Parce que comme on le dit chez nous, c'est une seule personne qui tue l'éléphant, mais c'est tout le village qui mange. Aujourd'hui, sur Internet, on voit des filles dans des quartiers, en tout cas, qu'elles sont dans des positions bizarres. Genre, elles ne sont pas trop belles, elles ne sont pas trop patates, ou bien elles ne sont pas trop arrangées là. Elles sont dans des quartiers, des bas quartiers, etc. Mais après, quand tu scrolles sur leur profil, que ce soit TikTok ou Facebook, etc., ou bien même Instagram, tu te rends compte qu'elles sont dans plusieurs différentes chambres. Mais attends. Cette fille-là, elle fait quoi? Elle fait publicité de résidence ou bien c'est quoi? Publicité d'hôtel ou bien l'hôtesse de l'air ou bien l'hôtesse dans un hôtel. Parce que les chambres varient. Aujourd'hui, tu la vois dans telle chambre, demain, tu la vois dans telle chambre, après, demain, tu la vois dans telle chambre. Bon, une fille comme ça, quand on te voit sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut te prendre au sérieux? Comment? Comment est-ce que sur ton profil, aujourd'hui, on te voit dans cette chambre-là? Après, demain, on te voit dans une autre chambre. Après, demain, on te voit dans une autre chambre. Le surlendemain, on te voit dans une autre chambre. On s'est dit que bon, plus il y a les chambres, plus il y a des mecs, ou peut-être c'est le même mec, on sait jamais. Mais voilà, de toute façon, entre garçons, on se connaît souvent, il y a des préférences par rapport aux endroits où tu vas. Mais si les endroits changent, hein, si les chambres changent, et que ce ne sont pas les mêmes chambres, et que c'est pas fréquent, on s'est dit que ce n'est pas. Probablement, ce n'est pas avec la même personne. Peut-être ils sont deux ou trois, mais en tout cas, ce n'est pas une seule personne qui mange le moment. Le truc, c'est que quand on vous voit dans ce genre de position, mais dans ce type de posture, on ne peut pas vous faire confiance. Donc, quand on vient aussi là, on se dit, bon, on va prendre une autre chambre aussi. Comme ça va te permettre aussi de faire story. Voilà, dans la chambre. Et puis, il y a des filles, c'est réel. Hein. Tu vas être dans le trou, vous finissez de prendre position, mais avant de prendre position, elle se snap tranquille dans la chambre et puis elle poste. C'est-à-dire qu'elle se dérange même pas. Quand tu vois la meuf faire ça, tu dis, ah, cette petite fille en esprit là. Elle a l'habitude de le faire. Hein. Je ne suis pas ici pour parler, pour vous dire d'échanger des méthodes. Je vous dis arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Parce que ça ne vous rend pas honneur à vous-même. Mais écoutez, moi je ne suis pas là pour donner conseil. Parce que moi, je ne cherche pas à être exemple de quelqu'un. Continuez comme ça. Quelque part, nous aussi, ça nous arrange. Parce qu'on sait qu'on ne vient pas pour faire du sérieux. Chacun vient prendre ce qu'il est venu apprendre. Et puis on s'en va. C'est ça le bénéfice d'une relation. Merci.